Ah là là, ce bon vieux Edward Kenway. Bien stylé cet homme, mais tu n'es pas sans savoir que son périple ne s'arrête pas à Black Flag. Ah non 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 non. Car oui monsieur, après Black Flag, cet homme a accompli de grandes choses, oh oui crois-moi. Alors préparez-vous pour un nouveau périple mais aussi de la tragédie, car comme tous les assassins, ça termine toujours pas très bien. Tout d'abord, commençons par son passé. Bah quoi, faut bien commencer par quelque chose, il est natif de Swansea au Pays de Galles, né en 1693. Voilà, vous savez tout. Allez salut. Je plaisantais, c'est pas fini. Un peu de sérieux, mon ami, si tu le veux bien. Donc, Edward, il est né à Swansea, au Pays de Galles, en 1693, d'un père anglais et d'une mère galloise. Quand il avait 10 ans, notre cher poteau Edward déménagea à Bristol, et alla habiter dans une ferme. Ses parents étaient heureux de leur fils modeste, mais pas notre pote Edward. Lui, il commençait un peu à devenir un petit peu un petit thug. Puis, bah, comme c'est devenu un petit con, bah, il était hyper doué pour s'attirer les ennuis. À croire que c'est la seule chose qu'il sait faire. Comme à son habitude, Edward était complètement bourré au pub. Edward remarqua un de ses trois ennemis, Tom Colbell, son fils Seth et un homme appelé Julian, faisant boire une jeune femme afin de profiter d'elle. Lorsqu'ils l'entraînèrent à l'extérieur du pub, Edward, petit tuck qu'il est, les suivit et les prit à part. Il savait qu'il ne faisait pas le poids, mais il aperçoit au loin un cavalier. Il essaya de distraire les agresseurs le temps que l'étranger vienne lui prêter main forte. Mais il se fera casser la gueule. Alors, le cavalier arriva et arrêta donc la baston. Cette personne était Caroline Scott, une jeune femme. Quelque temps plus tard, Edward revoit Caroline et tomba amoureux d'elle. Il se marie et voilà pour son passé. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer à quelque chose d'épique. Le petit résumé de Black Flag avant d'entamer ce qu'il a fait après le jeu. Alors, le jeu débute quand Edward est un pirate. Il tue un assassin, prend sa tenue et va à la Havane. Il donne des documents des Templiers et entend parler de l'observatoire, il va donc trouver le sage pour les Templiers et se faire trahir. Il devient le capitaine du Jackdaw par la suite, il fait des activités de pirate et va avertir les assassins qu'il a donné une carte montrant leur position dans les Caraïbes. Suite à ça, Edward travaille pour les assassins, trouve l'observatoire et devient un assassin. Le jeu s'arrête sur Edward qui retourne en Angleterre, voilà pour le résumé. Maintenant, parlons de qu'est-ce qu'il a accompli en tant qu'assassin. Et là, je peux vous dire que ce monsieur a découvert des choses qu'on l'ignorait. Après Assassin's Creed 4 Black Flag, quelques temps plus tard, à Londres, notre poteau Edward épousa Tessa Stephenson. Quelques temps après leur mariage, avec sa richesse et les relations qu'il a avec sa belle famille, il fait l'achat d'un manoir sur Queen Anne's Revenge. Si vous avez fait Syndicate, vous voyez de quel manoir je parle. Puis il eut un fils, Etam, en 1725. Il commença donc à former son fils à devenir un assassin et à l'escrime, alors qu'il n'avait que 6 ans, pauvre petit gosse. Puis, il l'encourageait à penser par lui-même. En 1730, Edward commença à diriger la confrérie britannique, avec Miko. Voilà Miko. Et grâce à son entreprise de commerce maritime, puis il découvrit des temples de la première civilisation en Italie, et puis redécouvrit Masyaf, laissé à l'abandon depuis le passage d'Ezio. Là-bas, il découvrait le Suaire d'Éden qui sécurisa à Londres au palais de Buckingham. Le jour du 8e anniversaire du petit Kenway, les Kenway et Reginald Butch, promis à Jennifer, fille aînée d'Edward, fut attaqué par un agresseur. Reginald menaça de tuer l'agresseur, mais Edward le dissuade, qui était plutôt furieux du manque de sens de la justice chez Reginald. Lorsque la famille était de retour au manoir, Edward demanda à son fils s'il pensait que le voleur devait être laissé en liberté. Etam répondit que la vengeance l'emportait, mais finalement il l'a épargné, comme l'avait fait son père. Fier de lui, notre ami Edward Kenway lui offrit sa première épée. Alors que Reginald rend une visite à la famille, les deux hommes se disputent, et Etam, dans la pièce à côté, entend tout. Après la dispute, Reginald vient vers Etam et lui posa quelques questions sur les affaires de son père. Pensant que c'était un ami de la famille, Etam lui révéla les emplacements des biens les plus précieux d'Edward. Le 3 décembre 1735, le manoir fut infiltré par des hommes qui enlèvent la fille Kenway et tuent plusieurs serviteurs. Pendant ce temps, d'autres hommes s'attaquent à Edward, dans la salle de jeu. Après une énorme lutte, malgré que le capitaine Edward Kenway en ait tué énormément, il le tuera à son tour. Les hommes avaient été engagés par Reginald Birch, le grand maître des Templiers, qui recherchait un objet qu'Edward avait en sa possession, une fiole de sang que les Templiers ne trouvèrent jamais. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le capitaine Edward Kenway, en espérant que je vous ai appris des choses sur son passé et sur ce qu'il a accompli après le jeu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et me faire savoir si t'as aimé dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.